Voilà. Roy qui essaye de sauver son ego comme il peut. Et c'est parti pour le match de l'année, évidemment que non. Il y a toujours plus de l'homme. Ouais, c'est terrible. Ok, 10 secondes. Je suis pour Chronis, juste pour pouvoir vanner. Salut mec. Voilà. Vraiment, moi, casteur impartial. En vrai, non, Lucky c'est le copain, donc je peux pas. Mais c'est marrant de vanner. Ouais, mais Lucky, non, Lucky. Non. Il me vanne pas, Lucky. De toute façon, putain. Il me vanne pas, Lucky. De toute façon, j'ai pas tenté. Ça a pas l'air cool. Et là, Fox qui est extrêmement léger. Donc là, c'est. Oh, 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 oh. Alors là. Oh, bordel. Là, le gros hit smash. Oh, j'ai con. À part si y a une vidéo. Tu dis ça, mais dans deux jours, il est. Bah, c'est vrai, c'est une vidéo. Wow, Incodible, Fel Inferno, enfin, Incineroa, les couilles. Ah, et Reversal aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Lucky là qui avait tout cassé, mais qui reconstruit son avantage. Ouais, il a fait la même première stock, il est mort quand même. Hein. C'est vrai que là, c'est encore even. Bon, les side. Oh, bah. En fait, je sais pas qui est insulté entre Lucky qui prend tous les side B et Chronis qui en met 40 000. Là, c'est terrible. Oh, ça tue la DI. Est-ce qu'on commence à les compter? On peut les compter. Après, on n'aura pas le vrai nombre. Alors, on n'aura pas le vrai nombre. Ça marche pas, quoi? Et ça dégage. Non. Non, mais Kek, t'as des culs, je suis terriblement triste. Hein, vraiment, tu sais pas à quel point. Parce qu'il y a Oka et Kek en une même soirée, c'est dingue. Ok, le side B pour couvrir la tech chase, même pas, le landing plutôt, pas de problème. On voit que même à 55%, le Fox, il a vraiment, il a jarté, il est très 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 loin. Hein. Il prend side B à l'aide, là il a failli crever, hein. Il est déjà en blast zone alors qu'il a 50%, c'est n'importe quoi. Ok, oh la patience, on attend l'air dodge, pas de problème, je trappe pas de problème. Ouh, ça a failli passer. Et là, Lucky, il est dans la merde. Le moindre coup de félin. Non, arrête, t'as pas faire ça. Non, mais arrête. Putain, bordel. Pas de coaching, pas de coaching. Pas de coaching, pas de coaching. Il entend pas, il a un casque. Non, il a pas de merde. Merde. Ouh, ça c'est beau ça. Le grand écart à la brousse, Lee. Mais là, non, mais franchement, deux fois le drop ledge et le side B. Étonnamment close quand même. Oui, c'est vrai. Mais drop ledge deux fois pour faire side B, faut arrêter la mirabelle. Hein. Ouais, c'est faux. Mais pas de coaching, je te le dis. Non, mais non. Non. Trois fois le side B en drop ledge, faut arrêter. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être coach pour voir ça. Non, mais il faut pas être coach pour voir ça. Voilà. Il m'a très lavé au début, mais. C'est vrai que no mix-up, x the mix-up, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu diras pas aux gamers qui font que des B of the Shield. Tu diras ça aux Wolves qui font que des fer. Je sais pas, oui, mais non. Oh, mais si ça marche. Bon, là, en l'occurrence, ça a pas marché. Donc, Battlefield, très intéressant comme terrain parce que là, Fox peut enchaîner les EPR, mais vraiment à tirer l'arigot. Là, à moins que, sur un moment où c'est pas trop, on ait une revenge. Aucun coaching. Aucun il coaching. C'est pas du coaching, il l'a pas fait. Oh, comment il a pris ça? Là, je suis désolé, Chronis, mais c'était mérité. Il faut arrêter. Le neutral, c'est un jeu de patience. Quand tu vois Bruce Lee contre Chuck Norris, il y a aucun mec qui tente de faire des rides en fait. C'est que deux mecs qui se testent et le combat dure 20 minutes. Donc là, c'est pense à Bruce Lee, aucun coaching. Pense à Bruce Lee, pense à Chuck Norris, pense à la fin du combat. Dans la fureur du dragon, pas de problème. Lucky qui a une solide. Oula là là là, très risqué. Ça a failli spike le B de l'Inferno. Présomptueux ce side B et le FT. Ça tue. C'était voulu. Bah, bien sûr que non, c'est pas voulu. Putain, là. Direct. Ah, il a pu, il a déjà pu, il a pris, mais il a perdu. Dommage. Tente le revenge.
serait très risqué de le kid d'aller en bas comme ça parce que le B de Fena peut spike à la descente. Un peu comme le power dunk de Terry par exemple. De. Je sais pas qui. Il y en a un autre qui a un truc pareil, mais je sais pas qui. Ok, EPR. Voilà, hop, le EPR qui est cassé avec la revanche. Et là. Ah, il l'a déjà vu, ça part très vite. Hein. Oh, oh là 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 oh. Finir ça sur un footstool. On dira que c'était voulu. Pour moi, c'est un missing foot. Non, c'était voulu. Je sais pas. Franchement, ah, je sais. Ouais, en vrai, y'a rien. Non, c'était voulu. Mais franchement, le petit fair drag down pour ensuite faire un footstool. Si ça, c'est pas vraiment la maîtrise du personnage. Ça, c'est de la maîtrise. Comme j'en ai jamais vu. Pas de classique d'avantage. On peut, voilà, on peut jouer là-dessus. Si on sait que c'est pas trop, on s'attend à avoir une revenge de Fena Inferno sur la read. On peut agir en conséquence. C'est une read sur une read. Exactement comme là. Ça s'enchaîne. Ça ne se finit jamais. Air Dodge, Air Dodge qui est savamment puni. Chronis qui commence à rager un petit peu. Oh là. Ok. Tu lâches 30 revenge par seconde, mais il y en a au moins une qui passe. Ça va marcher au bout d'un moment. Hein. Là, on sent que le mental commence à chuter. Il y a l'hyperso de merde. Alors, est-ce qu'il parlait du sien ou de celui de Lucky? Ok, on expulse l'air des poumons. Le lightbox est connu par Lucky, hein, puisqu'il se, soit il roll out, soit il juste il donne le shield et il court. Troisième, quatrième coup de notre ABF Inferno. Est-ce que maîtriser parce qu'il se fait quand même pris de trois fois? C'est vrai. Je ne serais pas sur de l'adaptation. Est-ce qu'il l'aurait pas appris pendant le set? Ah bah, tout bon, voilà, logique. Bon. Le personnage est inconnu, on rappelle. Ouais, au bout de 3 games quand même. Sur les casseurs. Tu as signé quelque chose. Ciao mouton. Et ouh, l'attaque a failli partir. Le. Oula, le nerf. J'ai un Shane qui est parti, il a rien fait. Ah, c'est la même option, c'est en prime 1. Hein. C'est pas con. Ça peut casser des trucs. Et oula, le petit forward air qui passe en. Putain, j'ai plus de terre parce que je joue pas au jeu. Landing. Parce que moi je les aurais pas. Mais... Landing fair, pardon. Un pas de problème, c'est. Ah. C'est à moi la main. Oh, Lucas Frel. Pas de problème, Lucky. Top platform. Pour le moment, ouais. Pas de problème, on est top platform. Il y a une stock. Là, Lucky, 37%, on commence un peu à chier dessus parce que ça peut partir à tout moment. Surtout que là. Bon, y'a rien. Ça enchaîne les paires. Et en plus, il peste en disant c'est pas trop. Et pour le coup. Il y a une réponse aux combos qui sont pas trop, c'est la revenge. Voilà. Mais après, je pense que Lucky serait apte à avoir en fait.